Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire les énergies de la semaine. Alors, on va regarder tout de suite ce qui arrive pour lundi. Alors, énergie. Pour lundi, on va nous parler ici de discussion. Si j'arrive à positionner la carte. Alors, de discussion peut-être avec l'extérieur, hein, ça peut être dans le cercle amical, ça peut être aussi dans le cercle du travail. Donc, j'attends de voir ce qu'on me donne de plus pour lundi. Quel genre de discussion? Ça peut être aussi d'avoir envie de prendre certaines informations, hein, pour lundi. Si on peut nous parler très clairement de ça, ça peut être des discussions en lien aussi avec les finances. Je continue par rapport à quoi ces discussions auront lieu. Alors, ça peut être soit par rapport à quelque chose d'illégal qui a pu vous arriver, quelque chose qui vous chagrine un petit peu intérieurement. On parle de testament pour certaines personnes. On peut aussi nous parler concernant une trahison, donc on vous a peut-être pas forcément donné ce que vous attendiez. Pour d'autres, ça va nous parler concernant une transformation, d'accord? Donc peut-être vous souhaitez partir, faire quelque chose d'autre et vous avez besoin de vous renseigner pardon, concernant vos finances ici. Et lundi, ça fait vraiment référence à ça. Donc je dois vite encore regarder quelque chose. Donc ici, les deux cartes-là, elles sont vraiment liées, hein. On a le 7 aussi. Donc on peut très clairement nous parler d'une situation un petit peu ambiguë au niveau des finances, hein. Peut-être quelque chose qui vous revient et puis qu'on a essayé un petit peu de cacher, hein, en quelque sorte. Alors, on va essayer de regarder pour mardi. Néanmoins, il y aura une solution, c'est ce qu'on me demande de vous dire. Pour mardi, les énergies qui vont... Oh là là, ça fait beaucoup de cartes. Je reprends le tout. Alors, énergie pour mardi. On sent quand même une certaine force, hein, ici pour mardi. Je vais juste décaler ça. Voilà. On ressent une certaine force, d'accord? Parce qu'il y a comme un ras-le-bol, en fait, qui s'est installé tout au long. Et cette force-là, ici, elle vous pousse, en fait, tout simplement à agir. Donc, je ne sais pas réellement ce que vous avez vécu, parce que, bon, tout le monde vit des situations différentes à différents moments. Donc, c'est difficile pour moi de cerner un petit peu tout le monde, le global. Alors, je continue. Oui, j'ai vraiment l'impression que c'était un petit peu mis en stand-by ici et vous avez vraiment besoin de changement. Alors, pour mardi, j'en ai deux qui voulaient sortir. On vous parle vraiment d'une situation un petit peu quand même compliquée qui a pu l'être dans le passé ici. Je vois que ça fume juste derrière, alors je regarde. Voilà. Alors, pardon. Ici, justement, on va vous parler peut-être d'avoir envie d'extérioriser aussi quelque chose. Il y a une certaine force ici qui prend du temps, hein. On vous demande néanmoins de rester fidèle à vos principes, qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui va se présenter pour vous. Ça peut être en lien aussi avec le travail, d'accord? Ici, c'est ce qu'on me montre très, très clairement en coupe. C'est qu'il y a des personnes peut-être aussi qui sont en attente d'une place de travail qui pourrait éventuellement se libérer. Et ici, on va vraiment nous parler de ça. Vous voyez, les choses commencent gentiment à s'éclaircir et elles arrivent pour vous. Alors, je continue. Alors, nous allons regarder maintenant les énergies de mercredi. À quoi doit-on s'attendre pour mercredi? Un brin de soleil, peut-être ça concernera la météo, je l'espère en tout cas. Alors, on continue. Il y a eu beaucoup de cartes qui se sont retournées. Pour mercredi, on peut nous parler de trouver des accords. On peut nous parler aussi de poser des signatures concernant une situation qui commence enfin à s'éclaircir. Et j'en ai eu vraiment beaucoup, hein. Je vais quand même toutes les prendre en considération parce que je pense que ça peut parler à différentes personnes. On nous parle pour certaines autres personnes d'espoir sur le long terme, de garder espoir qu'il y aura un changement de situation, peut-être un déménagement ici, ça peut être une possibilité. Pour d'autres, on peut nous parler d'un changement d'orientation ici concernant un homme, d'accord?
Un homme, un enfant, ça peut faire référence ici à la vie de famille, hein. Donc, si vous avez peut-être un enfant, vous avez le cœur et vous avez l'enfant ici, ça peut nous faire référence aussi. Peut-être qu'on essaie de nous dire pour certaines personnes, évidemment, ça va pas toucher tout le monde, mais qu'il est possible peut-être de vous préparer pour un futur déménagement ici. C'est ce qu'on est en train de nous montrer, hein. Vous aviez peut-être l'espoir de pouvoir partir et les choses gentiment vont aller dans votre sens. Donc il y a aussi une nette idée ici de déménagement pour certaines personnes qui sont éventuellement à la recherche. Alors, je continue. On va regarder les énergies pour jeudi. On a eu aussi beaucoup de cartes. On va toutes les prendre. Jeudi, on nous parle d'une certaine lenteur, de quelque chose qui prend fin concernant une discussion qui était... Vous aviez envie en fait que cette discussion cesse. Je ne sais pas en quoi... Quel est le lien de cette discussion, mais je vois qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Et on va plutôt parler au niveau des finances ici, de trouver quelque chose qui vous correspond nettement plus. Il y a des solutions. Donc, ici, ça peut vraiment parler dans tous les domaines, hein. On peut nous parler ici au niveau du domaine sentimental, parce que j'ai la carte quand même du cœur. Je vais quand même faire juste une petite coupe. On peut nous parler peut-être d'avoir de nouvelles connaissances profondes pour certaines personnes ici. Nouvelles connaissances profondes concernant peut-être une situation qui est un petit peu compliquée au niveau des finances. Ici, je vois une évolution. D'accord? Pour essayer de faire un petit peu dans le général, une évolution pour tout le monde. Je continue. On va passer maintenant à vendredi. Les énergies pour vendredi. Ouf! Vendredi, petit conflit. Alors, pas bien méchant néanmoins. On va vous parler d'un conflit peut-être concernant une évolution, donc peut-être quelque chose qui va pas se passer tout à fait comme prévu. C'est pas un conflit vraiment très très important. Ben, vous voyez, c'est ce que je ressentais, hein. C'est quelque chose d'un petit peu passager. Ça peut être dans le sens le conflit où c'est que vous n'êtes pas d'accord sur la même thématique, d'accord, mais ça se résout assez rapidement. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, ça se résout assez rapidement. Donc ça peut être ici un changement, ça peut être pour un départ de quelque chose ici. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui se fera assez rapidement. Donc un conflit qui va se régler rapidement, mais pour laisser place peut-être aussi à une autre énergie en lien avec le masculin. Donc peut-être vous, monsieur, ou peut-être votre partenaire. Ça peut être aussi en lien avec le travail, hein, c'est ce qu'on me dit pour certaines personnes, quelque chose qui va aller assez rapidement. Peut-être une opportunité, peut-être que vous aviez, alors pour certaines personnes, on me parle d'avoir postulé pour un poste, ou c'est que ça vient négatif, mais c'est pour du meilleur. D'accord? C'est parce qu'il y a autre chose de mieux qui vient juste derrière, assez rapidement. Donc pour une autre proposition. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais pour une autre proposition, si c'est dans le lien du travail. Parce qu'ici, c'est vraiment ce qu'on nous montre avec les cartes. Vous voyez, on vous parle d'un départ, donc c'est-à-dire d'approfondir certaines connaissances, d'aller vers autre chose. C'est vraiment ce à quoi, voilà, vous voyez, on fait référence vraiment à ça. On vous dit qu'il y aura peut-être des discussions pour essayer justement de voir un petit peu mieux ce qui vous conviendrait le mieux. D'accord? Peut-être que le poste pour lequel vous avez postulé n'est peut-être pas celui que vous attendiez d'avoir. Il y a autre chose de meilleur derrière. Quoi qu'il en soit, les énergies sont pas forcément négatives, hein, j'ai envie de vous dire, elles sont plutôt positives. Il y a du changement, j'ai envie de vous dire, jusqu'ici, on était quand même sur des énergies assez stagnantes, où c'est que les choses n'avançaient pas assez rapidement. Et là, j'ai la nette impression que les choses commencent enfin à bouger. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les énergies de la semaine. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine.